16h10. Salut Karine! Bonjour tout le monde! Alors attendez, on va attendre que tout le monde se soit connecté. Ta-na-na-na-na. Voilà. Alors salut Karine! Salut Micheline! Salut Anne! Hello Sylvie, Carole, Muriel de l'Ardèche, hello! Salut France! Mais bonjour Edith! Alors, J-3 avant le départ. Vous voyez les poches là, ça c'est les poches qui fait que j'arrive pas à m'endormir tôt parce que j'ai trop de choses à penser pour me préparer. Mais voilà, vous voyez mon super beau chapeau de paille à la Eat, Pray and Love. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, imaginez-moi dans les rizières en train de méditer au bord de tout ça. Voilà, avec mon petit bonnet. Voilà, voilà. Donc, salut Pascal. Puis je me disais, je vais bien vous faire rire parce que s'il y a bien une chose qui m'angoisse quand je fais mes valises, eh bien, c'est pas de savoir si j'ai mis assez de médicaments, par exemple, rien que pour aller à Bali, eh bien, je me suis pris 6 vaccins. Écoutez, c'est simple, j'ai eu peur de boire un verre d'eau après m'être fait vacciner dans les deux bras et que ça sorte. Ce n'est pas donc ça, c'est pas de manquer de vêtements, c'est évidemment de manquer de projet de tricot. Et je me suis dit que pour la blague, eh bien, je vais vous montrer mon ratio projet tricot vêtements dans la valise. Ça va être très drôle. Alors, regardez. Oh, puis je vais vous montrer ce que je vais tricoter. Donc, ça, c'est les vêtements. Ça tient dans un bac. On m'a bien dit qu'à Bali, de toute façon, eh bien, il faisait très chaud et que c'était pas la peine d'apporter ni ma doudoune, ni mes bottes Uggs, ni des grosses chaussettes en laine. Apparemment, tout ça n'est pas nécessaire. Donc, j'ai compacté et ça tient, vous voyez, dans un petit bac de 5 litres. Mais bon, je pars quand même, chanceuse que je suis, je pars pour un mois. Oui, je peux tricoter dans l'avion, oui, oui. Il faut que ça soit des aiguilles circulaires, il faut qu'elles soient en bois, mais j'ai tout prévu pour pouvoir tricoter dans l'avion. Première fois que j'ai pris l'avion et que je tricotais, j'avais tellement peur de ne pas pouvoir tricoter que j'ai pris des doubles pointes en bois et je les ai mis dans mon chignon comme si c'était des pics à cheveux pour essayer de passer ni vu ni connu. Ça a passé. Et puis, c'est les projets tricot qui vont dans la valise, donc voilà. Non, c'est juste au cas où, on sait jamais, hein, je suis bloquée à Bali pour 2 mois supplémentaires, donc voilà, ça c'est mon ratio projet tricot, voilà, et puis ça c'est mes vêtements, donc ça vous donne une petite idée, d'une fille qui a beaucoup d'optimisme, hein. On ne peut pas être entrepreneur si on ne vit pas, un, dans le déni, deux, dans l'optimisme. C'est deux qualités que j'ai de manière abondante. Et donc voilà, alors je vais vous montrer un petit peu, ça va peut-être vous donner des idées, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'emmène. Alors, dans l'avion, déjà très important, j'ai 33 heures de vol pour aller là-bas. En fait, pas 33 heures toujours dans l'avion, bien sûr, mais on fait d'abord Montréal-Doha, qui est dans le Qatar. Arrivé à Doha, eh bien, je ne vais pas pouvoir tricoter parce qu'on a 1 heure pour attraper l'avion pour Jakarta. Donc, grosso modo, vous allez voir deux marathoniennes qui vont juste courir avec leur sac à dos pour attraper l'avion. Et après, on a Jakarta, Doha-Jakarta, c'est 4 heures. Là, il faut qu'on attende à l'aéroport. Et ensuite, on a Jakarta-Bali qui est pour 2 heures. Donc, voilà. Ça vous donne une petite idée. Donc, dans l'avion, qu'est-ce que je vais tricoter? Eh bien, pendant le marathon tricot cette semaine, on a fait le Ciao Bella. Alors, je me suis bien rendue, mais arrivée dans le Jersey, eh bien, j'ai manqué de temps parce qu'il faut quand même préparer le départ. Donc, voilà, maintenant j'ai toute une marée de Jersey à faire et ça va être parfait pour l'avion. Donc, dans le bagage cabine, nous retrouvons le Ciao Bella que j'ai fait avec la Studio Linen. Vraiment cool, vraiment cool. Donc ça, c'est un premier tricot dans l'avion. Deuxième tricot dans l'avion, alors
J'ai trouvé ça dans une boutique japonaise, je suis tombée en amour avec. Et je me dis que ça c'est super, je vais pouvoir le tenir à mon poignet, vous savez, au cas où il y a un peu d'attente aux douanes, au cas où je suis dans un petit café en attendant, whatever. Donc on sait jamais, donc tout de suite, le petit projet tricot que l'on peut sortir, c'est assez simple, c'est juste évidemment une paire de chaussettes complètement vanille. Et je suis tombée en amour avec une nouvelle teinturière qui s'appelle Fibrani Teinturière du Québec et que vous allez pouvoir normalement découvrir en septembre quand on va faire, et oui je vous le dis ça va être une première, on va faire la fête pour la première année de Angus et les 10 ans de la maison tricotée Guilford. Et donc je l'ai invitée et je suis tombée en amour avec une couleur, je sais plus comment elle l'avait appelée. Et elle me l'a offert en plus, elle a été super généreuse. Elle a vu mon regard concupiscent sur cette pelote de laine et elle a eu la grande gentillesse de me l'offrir. Ce qui est un peu cochon, sachant le nombre de pelotes de laine que j'ai. Mais elle a eu la grande gentillesse de me l'offrir. Donc, dans mon bagage à main, nous avons ce que je porte à la main, les chaussettes. Il faut aussi dormir à... Oui, j'y compte. Je suis sûre que je vais dormir. Le Ciao Bella. Évidemment, j'avais parlé que j'allais commencer le Summer Night. Attendez, il faut que je le trouve. Ce que j'ai mis. Voilà. J'allais faire le Summer Night. Donc, je le fais avec la Joséphine, un fil que j'adore de Emilia et Philomène, un 100% mérino non traité. Puis là, j'ai pas été raisonnable. Je vous avoue que j'ai vu quelqu'un le commencer et je ne sais pas ce qui s'est passé un soir, je l'ai commencé. Donc j'ai commencé, c'est un petit projet d'avion que j'aimais bien parce qu'il est super facile, c'est vraiment du point mousse puis du feather and fan. Donc ça va être mes trois projets d'avion, il faut que j'arrive à être raisonnable, ça va être mes trois projets dans la soute, dans le truc à main. Maintenant évidemment, une fois arrivé dans la période où je ne médite pas, où je ne fais pas de yoga, où je ne suis pas par mon zéparo, évidemment il va falloir que je puisse tricoter. Donc qu'est-ce que j'ai amené? J'ai amené de quoi faire le Hola Sweater qui va être notre cale. Donc ça, j'ai pris une super belle couleur et j'ai pris dans la Simone, le Mérino Hélin, encore une fois, de Emilia et Philomène. J'adore la couleur, elle s'appelle Clay. Bon, vous voyez, je ne sors pas trop de mes zones de confort. Un beau petit vert sauge. Donc voilà, le Hola Sweater est là-dedans. Et puis avant de partir, évidemment, eh bien, on range, on organise et j'ai retrouvé... Ah, le châle s'appelle Summer Knart, S-U-M-E-R-N-A-C-H-T. Alors, je pensais qu'il était disponible sur Ravelry, mais il est que dans le dernier Laine Magazine. Donc, on va faire le cale juste sur le Hola. Et voilà, et j'ai retrouvé dans mes bacs, parce que j'ai rangé toute ma laine, tout organisé, pour que quand je revienne, j'ai l'impression d'être dans un appartement témoin. Eh bien, j'ai retrouvé ce pull-là, que j'adore en fait. J'adore les couleurs, vraiment, je ne sais pas si vous voyez un peu les couleurs, c'est trop magnifiquement beau. Et je l'ai fait avec la, ouais, y a une petite ligne là, je l'ai fait avec la Life in the Long Grass à l'époque. Donc c'est le So Faded, je pense, de Andrea Mori. Avec, c'est fait avec de la laine à chaussettes, puis des aiguilles 4 mm, on déjauge un peu, on travaille un petit peu plus loose. Puis voilà, ça fait partie de ces pulls qui sont isolés sur le Sleeve Island, l'île de la Manche. C'est-à-dire qu'il devrait être terminé, mais il est manchot, il lui manque une manche depuis 3 ans. Donc, écoutez, je me suis dit qu'il allait enfin avoir sa deuxième manche à Bali. Et pour la petite histoire, la première manche, eh bien, je l'avais fait quand j'étais à Camagüey, à Cuba. Donc, il aura une manche cubaine et une manche balinaise. Ça sera la fin de son histoire et enfin, il sera terminé. Donc, lui, il va dans la soute. Le Oslo Hat, j'avais beaucoup aimé le faire, on vous avait proposé des kits et tout, j'ai bien aimé, ça tient bien, c'est super chaud. Et puis bon, vous savez, vous avez des soirs comme ça, vous voulez pas prendre un projet trop compliqué, et puis c'est vrai que la Oslo Hat, c'est vraiment surtout beaucoup de jersey. Et j'en ai commencé un, il y a peut-être 6 mois, dans des couleurs que j'adore, voilà,
Et puis, ben voilà, ça s'est arrêté. Et en rangeant, eh bien, je l'ai trouvé. Je me suis dit, mais ça, c'est un parfait projet quand je veux juste lire et tricoter en même temps. Donc, c'est pareil, j'emmène de quoi le terminer. Donc, un Oslo hat qui s'en vient. Après, j'ai dit, oh ben, il y a des fois où je vais juste vouloir tricoter sans réfléchir. Et pour ça, les chaussettes, c'est la meilleure chose. Donc, j'ai récupéré plein de laine à chaussettes dont j'adore les couleurs. Donc, ça... ça va être des chaussettes, le patron s'appelle Amande, j'adore le patron. Puis ça aussi, ça faisait partie de mon bac, j'ai plein de bacs, mais il y en a un qui s'appelle mes couleurs préférées. Donc ça c'est la couleur I4 dans la Cottage Sock de Fleece Artist, et j'adorais vraiment l'effet que ça donne. Donc voilà, ça traînait là, je me suis dit, eh ben toi ma cocotte, tu viens avec moi, hop, y a des chances que tu deviennes au moins une chaussette quand on sera à Bali. Puis, ben, c'est pareil, ça fait partie des couleurs que je voulais vraiment, vraiment tricoter. Et ça, c'était une Rose Hill Yarn, je ne sais plus le nom de la couleur, mais voilà, elle se rajoute à ma pile. Et je ne peux pas vous montrer... je peux pas vous montrer, mais bref, il y a aussi une autre paire de chaussettes que je prépare pour le club de bas et le mois de septembre. Et puis, ben oui, voilà. Je me suis dit qu'il manquait de turquoise dans tout ça, donc celle-là, elle part aussi avec moi, ça c'est Arfil. Donc voilà, quelques... attendez, non, il y a encore un sac. oh oui, il y a encore un sac. Évidemment, celui-là, je me demande si je ne vais pas le prendre aussi dans la soute de l'avion, vous savez, juste au cas où je serais tannée de faire les trois autres, je pourrais comme ça en sortir un nouveau. Donc ça, c'était un kit qu'on avait à Noël de Rose Hill Yarns, qui était canne de bonbons. J'adore, regardez. Voilà. Donc pour préparer mes chaussettes de Noël, donc c'était le petit kit, vous voyez, avec la petite couleur bleu glacier, et puis de la canne de bonbons. Donc voilà, j'ai le petit sac cute qu'on m'a offert, que je trouve absolument magnifique. Et ça voilà, ça va aussi aller dans le bagage cabine. Donc j'ai 4 tricots pour le bagage cabine. Hein. Et puis ben, tout le reste, je suis raisonnable, tout le reste va partir dans la valise pour le voyage. Il me reste quand même, je vais vous le dire, au fond de mes tripes, une petite angoisse au cas où je n'aurai plus rien à tricoter. Genre quelques jours avant le voyage... avant le retour, et qu'il n'y ait pas de boutique de laine où je suis. Ce qui est le cas, il n'y a pas de boutique de laine, il n'y a pas vraiment de tradition de tricot. C'est pas grave, je vais essayer de vivre avec. Au pire, je détricoterai une chaussette que j'ai finie et je recommencerai. Voilà, est-ce que vous avez cette espèce de tendance qui frise un petit peu la pathologie quand vous partez en vacances? Est-ce que vous aussi, vous passez plus de temps à vous demander quel projet tricot vous emmenez que quel vêtement dans votre valise. Dites-moi ça. Que j'ai pas l'impression d'être la seule folle dingue qui part en avion avec, voilà, un tricot en soie dentaire. Merci Anne. Oui, ça pourrait tout à fait être une possibilité. Donc, est-ce qu'il y a d'autres crackpots comme moi? Tu seras Pénélope, la femme d'Ulysse, exactement, qui va détricoter la nuit pour pouvoir tricoter la journée. André qui dit, je m'assure de faire de la place pour au moins 3 projets. Ouais, j'ai pas compté combien j'en apporte, je pense qu'on approche la dizaine. Mais il y en a quand même 2 qui sont là pour être terminés, donc je me sens extrêmement raisonnable dans tout ça. Oui, mais là non, ça c'est sûr André, il n'y aura pas de magasin de laine. Moi, j'ai aussi la broderie. Oh mon Dieu, Carole, t'as aussi la broderie. Peut-être que t'es même un peu plus crackpot que moi. Hélène, je traîne mon tricot partout au cas où mes kids dorment. C'est très bon. Hélène, pour te donner une idée, moi, j'ai mon tricot quand je fais du vélo et j'arrive des fois à tricoter quelques mailles quand je suis au feu rouge. Carole, j'ai une valise juste de projet. Je t'aime, Carole. Louise, je quitte pour l'Islande dans 4 semaines. Oh, je suis jalouse et j'aurai la chance d'acheter de la laine en Islande. Oui, tu es dans le bon pays, tout à fait, pour pouvoir te trouver de la très très belle laine. Ok,
Donc voilà, bah, c'était pour la petite anecdote que je, voilà, je vous donne un petit peu de dose de crackpot à la Céline avant de vous laisser pendant un mois. Juste, Maryse viendra deux fois, je vous mettrai les dates parce que... je sais pas, on l'avait vu avec elle et évidemment je ne l'ai pas noté. Donc je vous mettrai les dates où elle sera là pour continuer un petit peu. Mais je suis sûre que ça va vous donner un peu de temps pour avancer. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on va s'avancer? Alors je vous le dis tout de suite, avec le marathon tricot et le départ, eh bien je n'ai moi pas beaucoup avancé. C'est au même point que la semaine dernière, mais c'est pas grave. Hélène, je reste 2 heures dans mon char pour ne pas rentrer être dérangée dans la maison. C'est très très beau. Linda, toujours mieux d'en avoir plus que pas assez. Exactement. De toute façon, j'ai le droit à 46 kilos. Donc, j'ai bien prévu mon coup, je pense. Allez. Bon. Allez, on va voir un petit peu où on en était. Donc, on avait terminé normalement les diminutions, voilà, on en était rendu là. On avait terminé les diminutions pour les côtés. Et maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va faire, en anglais on dit shoulder shaping, on va faire le façonnage de l'épaule. Juste un petit dessin pour qu'on comprenne de quoi on est en train de parler quand on parle de façonnage de l'épaule. Donc, votre demi-devant, vous avez fait, voilà. Dans votre demi-devant, vous avez fait des diminutions du côté de l'encolure, d'accord? Là, on a les mailles en attente pour le dos. Donc, on a fait des diminutions du côté de l'encolure. Et maintenant, on va faire des diminutions en rang raccourci pour l'épaule. Alors, moi, j'adore le fait que ça soit en rang raccourci parce que ça va vraiment nous permettre de mettre les mailles en attente pour pouvoir faire un beau Kitchener Stitch, une belle couture pour rejoindre les épaules entre elles. Donc, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, si vous regardez une épaule, vous voyez bien que je ne suis pas faite carrée, on n'est pas fait carré. Vous voyez que les épaules, eh bien, en partant du cou, c'est plus haut et ça descend jusque à l'os de l'épaule ici. Donc, vous voyez, on a une forme qui est comme ça, ok, qui est triangulaire par rapport au cou. Donc là, d'accord, là c'est mon cou, oups, voilà, là c'est mon cou, puis ça va descendre en pente comme ça. Dans certains tricots les plus simples, eh bien tout simplement, on va rien vous faire faire, ça va être tout droit, d'accord. Mais si on veut vraiment suivre un peu cette inclinaison, que ça soit un petit peu, ça suive un petit peu plus votre silhouette, eh bien on va vouloir installer cette diagonale. Et quand c'est à l'époque quand je tricotais vraiment des patrons français qui étaient cousus et tout, ils nous faisaient rabattre des mailles au fur et à mesure, donc ça faisait des grosses marches d'escalier comme ça, paf, paf, paf. Donc ça faisait vraiment, on était là, ça faisait rabat, 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 donc ça faisait des grosses marches d'escalier, c'était vraiment, vraiment pas joli. Et puis ensuite, quand on avait à faire la couture, ici, il y avait plein de creux qui s'étaient faits, ça faisait une couture un petit peu mochouillarde. L'avantage avec les rangs raccourcis, c'est que on va tricoter, puis revenir en arrière. Donc les mailles ici sont en attente. Puis on va venir tricoter un petit peu plus loin et on va travailler comme ça sur les mailles et ça va permettre de tricoter plus de hauteur d'un côté, moins là, et ça va donner la diagonale. Mais au final, quand on va tricoter sur toutes les mailles, eh bien on aura vraiment toutes les mailles qui sont là, qu'on va pouvoir mettre en attente. Et on va pouvoir faire une super belle couture, on va pouvoir faire un Kitchener Stitch et rien ne va se voir, ça va être très très beau. Donc ça va être vraiment très très beau. Excuse-moi, je lisais ton commentaire. Donc, les rangs raccourcis qui sont proposés dans le patron, eh bien c'est des wrap and turn. Eh bien moi je vais vous dire tout de suite, je ne suis pas l'ami des wrap and turn. Je trouve que la plupart du temps, je dois mal les faire parce que ça se voit, c'est pas très joli et tout. Donc je préfère les rangs raccourcis à l'allemande et j'ai découvert il y a 2 mois les shadow wraps. Alors les shadow wraps, si vous voulez que je le traduise en français, ça va faire l'emballage de l'ombre.
ça pourrait faire un bon titre pour un Marvel, mais les mailles emballées de l'ombre. Mais on va garder, si ça vous embête pas, le terme en anglais shadow rap. Alors le shadow rap, vous allez voir, c'est très très proche du German short row, mais donc du rond raccourci à l'allemande, mais la finition est encore plus propre. Et c'est encore plus, enfin, et c'est vraiment facile. Donc c'est avec ça que je vais vous guider, et puis ça va vous donner une nouvelle technique. Donc, je vous écris juste comment s'écrit shadow rap. Donc shadow, comme ombre en anglais, rap, donc qui veut dire emballer. Donc on va faire des shadow rap sur ce coup-là, et je vais vous expliquer aussi comment on va faire pour changer légèrement le patron à ce niveau-là. D'abord, je vous montre les shadow wraps, super facile à faire, franchement, une nouvelle technique à se mettre dans la poche ce matin, ça fait toujours du bien. Alors, j'ai préparé ma petite démo, oh, et j'allais oublier, surtout que si vous êtes comme moi et que vous avez opté pour une laine chinée, vous voyez, ma laine, elle est chinée, c'est super joli, j'adore ce que ça a donné. Par contre, si j'ai des wraps, voilà. Si j'ai des petits wraps autour de mes mailles, eh bien, ça va être encore plus difficile à lire, puisque comme vous voyez, le fil est fait, eh bien, j'ai des petits fils blancs, des petits fils gris, des petits fils noirs qui courent autour, et visuellement, mon wrap pourrait être plus difficile à voir. Donc vraiment, je suis très contente de passer au shadow wrap. Donc, comment est-ce qu'on fait un shadow wrap? Allez, c'est parti pour l'emballage de l'ombre. On commence sur l'endroit. Alors sur l'endroit, comment je fais mes rangs raccourcis? Donc, par exemple, sur le patron, on me dit, on commence sur l'endroit, tricoter jusqu'aux 5 à 11 mailles avant la fin et faire un wrap and turn. Donc, je vais d'abord vous montrer la technique, après on revient sur le patron. Céline, ne te disperse pas, collecte tes neurones. Donc, on va aller quelques mailles avant la fin. Voilà. Allez, on arrive ici. Donc, sur l'endroit, comment je fais un shadow wrap? Je vais venir soulever la maille du rang d'en dessous. Donc, vous voyez, la petite collerette, hein, ça fait comme une petite collerette, la petite collerette de la maille qui est sur l'aiguille de gauche. Je vais venir la soulever en partant de l'arrière, d'accord? Je viens la chercher par derrière, de l'arrière vers l'avant, et je vais la placer sur mon aiguille. Après ça, je vais la tricoter. Voilà. Et je vais glisser la maille qui était au-dessus. Et on est ici. Regardez, j'ai une maille double comme j'aurais dans un rang raccourci à l'allemande. Je vous le refais. Donc, je viens chercher la maille du dessous, de l'arrière vers l'avant, et je la place sur mon aiguille de gauche. Après ça, je tricote la maille que je viens de relever et je glisse la maille qui était au-dessus. Voilà. Donc, j'ai fait une maille double et je peux maintenant tourner mon tricot. Je vais glisser cette maille double là sur mon aiguille de droite et je vais tricoter. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que l'on fait un shadow wrap sur l'envers. Oui, Daniel, les shadow wraps étaient dans les bas atouts de l'art des chaussettes du mois de juillet. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Donc, sur l'envers, comment ça va se passer? Eh bien, on va glisser la maille qui est ici, on va la glisser comme pour tricoter à l'envers. Mon fil reste devant. Voilà. Je vais venir maintenant rechercher la maille du dessous. Donc c'est pareil, le petit nœud papillon qui est sous la maille de l'aiguille de droite. Donc je viens le chercher. Je la place sur l'aiguille de gauche et je vais le tricoter à l'envers. Et il vient là. Toi.
Donc, comme vous pouvez voir, en ayant fait ça, je me retrouve maintenant avec une maille double. Et ces deux mailles-là, je vais les glisser sur l'aiguille de gauche et je vais pouvoir tourner. Alors, je vous le refais encore une fois sur l'endroit. Donc, on va tricoter jusqu'à quelques mailles avant le shadow wraps qu'on a fait avant. Ils sont facilement identifiables. Vous voyez la maille double qui est ici, hein, la maille bicéphale, elle est là. Allez, on va faire une maille double ici. Donc, première étape, je vais venir rechercher la maille du dessous de l'arrière vers l'avant. Je la place ensuite sur mon aiguille de gauche. Je vais ensuite tricoter cette nouvelle maille et je vais glisser la maille du dessus. Voilà, donc ma maille est devenue bicéphale. Je peux maintenant tourner mon tricot. Je vais glisser cette double maille sur mon aiguille de droite, hein, je ne veux pas la tricoter. On la tricotera en temps venu. Et je vais faire la même chose sur l'envers. Je vais me rendre une maille avant le shadow wrap de renvers. Et encore une fois, vous voyez, elle est quand même bien visible, cette petite maille qui est bicéphale. Et on recommence. Donc, je glisse, j'ai le fil devant, je glisse la maille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite. Pouf! Puis, je vais venir relever le petit nœud papillon. Donc, regardez, je le prends de l'endroit vers l'arrière. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tricoter cette maille que j'ai relevée. Voilà, j'ai maintenant une petite maille bicéphale. Et la maille double que j'ai obtenue, je la glisse sur l'aiguille de gauche. Et je tourne. Donc, on obtient exactement les petites mailles doubles que l'on a normalement dans le German Short Row. Mais si vous les voyez, elles sont beaucoup plus compactes. Ce qui va faire que quand on va résoudre le rang, quand on va tout tricoter ensemble, eh bien, ça va nous donner un aspect très net. Donc, au moment où on va tricoter sur toutes les mailles pour résoudre les rangs raccourcis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sur l'endroit, c'est très simple. À chaque fois que je vais me retrouver face à une maille bicéphale, je vais tricoter les deux brins ensemble. Donc c'est super simple, maille bicéphale, je prends les deux brins, en plus ils se prennent super bien, c'est vraiment facile de les attraper, et je les tricote ensemble. Et regardez, ni vu ni connu, regardez comme elle est belle ma maille, on ne voit rien du tout. Allez, là je vois une maille bicéphale, j'attrape les deux mailles ensemble, et regardez comme c'est propre. Allez, je finis mon rang en droit. Vous allez adorer les shadow wraps, vous allez voir. Donc, regardez, ça fait comme un talon de chaussette, puisque comme j'ai beaucoup tricoté ici et pas sur les côtés, eh bien évidemment, mon tricot est en train de faire des rangs raccourcis. Bon, mais regardez comme c'est clean. C'est beau, c'est propre, il n'y a pas de trou, malgré le fait que j'ai mis des mailles en attente et que je n'ai pas été jusqu'au bout. Donc, c'est une super, super méthode. Maintenant, on va regarder comment on résout les shadow wraps sur l'envers. Donc, on va tricoter jusqu'à croiser une maille mutante, une maille bicéphale. Elles sont facilement... Si vous avez peur... parce que votre tricot est sombre ou chiné comme le mien, n'hésitez pas à mettre des anneaux repères refermables sur vos shadow wraps. Comme ça, vous ne pourrez pas les manquer. Mais ils sont quand même très distincts. Donc là, vous voyez, je dis ils sont très distincts, mais là, j'ai ma petite maille double et les fils étaient, on avait un peu l'impression que c'était une seule grosse maille. Donc voilà, je suis sur une maille bicéphale, je vais simplement tricoter à nouveau les deux brins ensemble. Hop, je tire un peu, puis ensuite sur l'envers, j'ai une deuxième maille bicéphale, je prends les deux ensemble et hop, je tire un peu et je finis mon rang. Alors on va voir ce que ça donne. Regardez-moi comme c'est clean,
on ne voit absolument rien. Les mailles sont super belles. Et on ne peut pas voir que j'ai fait quoi que ce soit. Il n'y a pas de trou qui s'est formé à cause de ce rang raccourci. Il n'y a pas de mailles qui ont twisté et tout. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est la meilleure version d'un German Short Row. Et personnellement, maintenant, je ne fais plus de German Short Row. Je fais du Shadow Wraps. Je trouve que c'est beaucoup plus clair, clean et facile à faire. Donc Anne, pour répondre à ta question, comment on choisit entre German Short Row et Shadow? Eh bien, les deux sont équivalents. Donc tu peux tout à fait changer le German Short Row pour le Shadow Wrap. Oui, hein, les mailles sont vraiment plus belles avec le Shadow Wraps look qu'avec le German Short Row. Donc si vous voyez German Short Row, vous pouvez changer complètement pour le Shadow Wraps de la même manière. Hein. À la base, dans un German Short Row, on fait quoi? Dans un German Short Row, ce que vous allez faire, c'est que vous avez la maille pivot. Voilà, si je veux faire un German Short Row. Voilà, dans un German Short Row, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on va le faire sur celle-là. Voilà, on va tourner sur cette maille-là. Donc, si je tourne sur cette maille-là, dans le Shadow Wraps, eh bien, je vais faire la double maille ici. Dans le German Short Row, on va tourner, puis on va glisser la maille et tirer. Et ça devient la maille double. Mais regardez, elle est beaucoup plus espacée. Donc, elle est beaucoup plus espacée que dans le Shadow Wraps que l'on a vu tantôt. Et elle est hop, hop, hop. Voilà, vous voyez, dans mon German Short Row, ça fait évidemment comme un... German Short Row. La maille est différente, vous voyez, elle n'est pas bicéphale. Elle nous donne cette espèce de... comme une maille en verre avec un... ça ressemble un peu à un jeté. Et quand on va la tricoter, elle va poser un tout petit peu plus de difficulté. Donc j'arrive ici, donc quand je vais vouloir la tricoter, bon il faut que je fasse attention, il faut que j'aille pêcher mes deux petits brins là. Allez, viens là toi ma cocotte, voilà. Voilà, bon, et c'est correct, mais voyez, ça pose quand même un petit peu plus de difficulté qu'avec le Shadow Wraps. Donc simplement la maille où normalement on tourne. D'accord, on tricote, puis on tourne et on fait le Shadow Wrap sur cette maille-là. Eh bien, nous, on va la faire sur l'endroit au lieu de le faire sur le rang suivant. C'est vraiment, vraiment plus facile. Maintenant, dans le patron, c'est des wrap and turn. Donc, il va falloir juste faire une toute petite modification par rapport à ça. Vous voyez, ici, dans le wrap and turn, on va tricoter, par exemple, 5 mailles. Et après, on va emballer la maille suivante. Nous, on peut pas faire... nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter 5 mailles. Et la maille suivante, ça va être notre wrap and turn. Excusez-moi. Ça va être notre maille qui sera en shadow wrap. Donc, par exemple, ça fait rang 1. Je tricote 5 mailles. Puis, la maille suivante, je vais la doubler grâce au shadow wrap. C'est tout ce que vous avez à changer. Donc, je tricote 5 mailles et la maille suivante, je la dédouble. Au prochain rang, ben voilà, je tricote 6 mailles et puis sur l'envers, 5 ou 6 mailles, et sur l'envers, je fais le shadow wrap. Donc, simplement, ce que vous avez à faire, c'est que au lieu de faire un wrap and turn, vous faites un shadow wrap. Comment peut-on modifier un patron qui demande un wrap and turn pour le shadow wrap? Pouf, oui Janice, c'est exactement ça. T'as pas à faire comme le German Short Row, il faut ajouter une maille. Simplement, ta maille qui est wrappée devient
un shadow. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc j'aurais vraiment tendance à... Voilà, c'est une possibilité. Si vous voulez aller by the book, sachez que je ne serai pas derrière à vous dire « Mais je ne t'ai pas dit de faire ça ». Faites-le comme vous voulez. Si vraiment le wrap and turn, c'est votre grand amour de la vie, go. Mais dans mon expérience, pour avoir fait à peu près tout ce qui est possible en rang raccourci, je trouve que le shadow wrap, c'est une excellente option avec une super belle finition. Voilà. Carole, c'est vendu pour toi aussi. Ok. Et en plus, il n'y a pas à faire de modification, puisque on fait le... La raison pour laquelle, dans le wrap and turn qu'on transmute en German short rope, pourquoi il faut qu'on ajoute une maille, c'est parce que la maille qui subit la transformation, elle est faite sur l'envers. Et elle est faite sur la première maille. Nous, étant donné qu'on va faire le shadow wrap sur le même rang, sur le rang droit ou sur le rang envers, elle peut complètement... Elle se passe sur la maille qui est wrappée. Carole qui dit « J'ai toujours fait des trous avec des wrap and turn ». Écoute, j'ai pas fait des trous avec les wrap and turn. Moi, ce que j'ai fait, par contre, je me retrouve souvent avec une maille qui reste emballée. Enfin, c'est pas très joli. Voilà. Bon, écoutez, chacun son truc, mais ça vous donne en tout cas, plus d'outils. Je comprends pas le RS et le WS dans le même next row. Ah, ok, je comprends ce que tu veux dire. Je vais t'expliquer. Donc, si on regarde le patron. Prochain rang. Je commence le rang raccourci sur l'endroit. Donc, je tricote 5 mailles et puis j'ai été convaincue par Céline. Je ne fais pas un wrap and turn, je fais un shadow. Dans le shadow, il ne faut pas oublier que quand tu as fait ta maille, tu tournes. D'accord ? Donc, le shadow wraps. Donc, tu as tricoté 5 mailles, tu as fait un shadow. Et tu tournes ton travail après, d'accord? Et sur l'envers, tu as juste à terminer tout ton rang à l'envers. Au rang numéro 2, tu tricotes jusqu'à X mailles, tu fais ton... Tu tricotes jusqu'à X mailles et tu te retrouves knit to 5. Donc là, regarde, excuse-moi. Tricote jusqu'à 5 mailles avant ton wrap and turn. Et là, tu le fais... Et tu es ensuite sur l'envers, c'est tout à l'envers. Alors attends, on va juste montrer ce que ça veut dire parce que ça va être plus simple. Donc regarde, par exemple, je suis ici. Donc si je suis sur le rang 1 et que je fais la taille S, ok, on me dit tricote jusqu'à 5 mailles de la fin. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Étant donné que j'ai beaucoup moins de mailles, on va devoir se rendre un petit peu plus loin, d'accord? Voilà. Je vous demande un effort d'imagination. Vous imaginez qu'on est à 5 mailles de la fin. Maintenant, je vais faire, au lieu du wrap and turn, je fais le shadow wrap. Donc, je reviens, je fais ça. Hop. Je tricote. Je glisse. Et puis, je vais retransvaser mon petit shadow wrap ici. Et maintenant, je tourne, d'accord? Donc, c'est ça peut-être que tu n'avais pas compris. Après, je tourne, je suis sur l'envers, mais sur l'envers, je n'ai rien d'autre à faire que de tricoter tout à l'envers. Donc, tu n'es pas sur le même rang, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as fait ton shadow, tu dois tourner. Le shadow, c'est ton pivot pour séparer les mailles que tu tricotes avec les mailles qui ne vont pas être tricotées. Et il va servir ensuite à, quand tu vas tricoter tout ton rang, à coller, tu vois cette maille, je ne l'ai pas tricotée. Donc, cette maille-là, c'est un peu ta glue pour coller le rang que tu as tricoté avec le rang qui, lui, n'est pas tricoté, la maille qui est ici. Parce que tu vois, ça va faire un espace, et si on ne fait pas une technique de rang raccourci, eh bien, ça va faire un trou. Donc ici, en venant chercher la maille du rang d'en dessous, eh bien, et on va les tricoter ensemble, ça va faire comme un joint qui va tout serrer et il n'y aura pas de trou. Donc maintenant, au rang suivant, tu vois, ils te disent, tricote jusqu'à 5 mailles pour la taille XS,
par rapport au pré, par rapport au, à l'endroit où tu as tourné. Donc, tu vois, là, c'était mon shadow. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais me rendre à cette maille-là. Voilà. Donc, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 5 mailles avant mon shadow. Et maintenant, je vais le faire. Donc, j'y vais. Pouette. Je glisse et je tourne. Et après, sur le prochain rang, on est sur l'envers. Et c'est là que tu tricotes tout à l'envers. Donc, tu vois, on va espacer. Voilà. Donc ça, ça te donne une idée des rangs 1 et 3. Tu vois, j'ai un shadow wrap ici, j'ai un shadow wrap là. Donc, on va espacer nos shadows. Et regarde déjà ce que c'est en train de faire. J'ai déjà ma diagonale qui est en train de se former pour mon épaule. Quand je vais avoir terminé tout ça, on va tous les tricoter. Donc, on revient là-dessus. Tu vois, voilà. Donc, on est ici. Tricoter jusqu'aux 5 dernières mailles, wrap and turn, purl to end. Donc, un petit dessin. Je vais faire un petit dessin, ça va aider. Donc, le rang 1. Je tricote. Toi, ça, c'est mon rang. Je tricote jusqu'à entre 5 et 11 mailles de la fin. Je m'arrête ici. Je fais un shadow wrap et je reviens sur le rang 2, le rang en vert, eh bien, je reviens et je tricote tout à l'envers. Après ça, sur le rang 3, je vais tricoter jusqu'à entre 5 et 12 mailles avant l'espace que j'ai créé. Donc, on va dire que ça nous amène ici. Et là, évidemment, étant donné que j'ai laissé tout ça en attente, il faut que je fasse un petit joint, donc je fais un shadow wrap. Après, eh bien, au rang 4, je reviens en arrière et je fais juste un rang envers. Il ne se passe rien sur cette partie-là. Ensuite, au rang 5, eh bien, on va me dire tricoter à nouveau jusqu'à X mailles avant l'espace que l'on a fait avec le shadow wrap. Donc, ça va nous amener ici. Je fais à nouveau un shadow et au rang 6, eh bien, je suis tout à l'envers. Au rang 7, à nouveau, je vais me rendre entre 6 à 12 mailles avant au rang 7, je vais me rendre jusqu'à 6 à 12 mailles avant. Je fais à nouveau un shadow wrap. Et à nouveau, ce que je vais faire, eh bien, sur le rang envers, je vais tricoter tout à l'envers. Et c'est enfin au rang 9 que je vais venir tricoter à l'endroit toutes les mailles. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rencontrer un shadow wrap ici. Eh bien, je vais tricoter deux mailles ensemble à l'endroit. Je vais rencontrer un shadow ici. Eh bien, je vais tricoter deux mailles ensemble. Je vais rencontrer un shadow ici. Je vais tricoter deux mailles ensemble. Et enfin, je vais en rencontrer un. Je vais tricoter deux mailles ensemble. Après ça, au rang 9, tu vas tricoter toutes ces mailles-là à l'envers. Et quand tu as terminé, eh bien, tu vas placer ces mailles en attente sur un bout de fil ou sur un arrêt de maille, comme tu veux, comme toi. Alors, est-ce qu'il ne serait pas plus simple de glisser le collet tricoté sur l'aiguille de gauche et tourner? Attends, je ne te comprends pas. Hop, 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 hop. Je vois que c'est sur Facebook qu'on m'avait posé la question, donc je ne sais pas ton prénom, mais est-ce que tu comprends mieux par rapport au right side et wrong side? En tout cas, c'était une très bonne question. J'espère que ça a aussi aidé tout le monde à mieux visualiser ce que je disais. Alors...
Alors, Anne, j'essaie de voir. Alors, on est là, donc tu remontes. Hop, 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 hop. Tu remontes, tu es là, tu tricotes, tu glisses et tu tournes. Je comprends pas tout à fait, Anne. Je ne vois pas tout à fait ce que tu proposes. C'est pas grave. Ok, donc ça, c'est pour. C'est pour finir votre devant droit et vous laissez les mailles en attente. Ça y est, il est terminé. Vous allez pouvoir attaquer le devant gauche. La bonne nouvelle, évidemment, c'est que c'est quelque chose qui est complètement miroir. Donc, on s'en parlera, Anne. C'est peut-être parce que je suis un peu dans le truc, mais on s'en parlera, que je vois s'il y a quelque chose qu'on peut encore améliorer. Donc, bonne nouvelle, le devant gauche, eh bien, c'est un miroir. Il n'y a pas grand-chose que vous avez de différent. Mais comme c'est miroir, évidemment, les diminutions vont être inversées. Et puis, on va faire les shadow wraps, non pas sur l'endroit, mais sur l'envers. Alors, jetons un petit coup d'œil à tout ça. Donc, on est ici, devant gauche. Retournez les mailles qui ont été utilisées, qui étaient mises en attente sur votre maille. Sur votre aiguille. Oui, Anne, test. Je te fais complètement confiance pour ça. Ok. Donc, vous vous rappelez, on a mis en attente deux paquets de mailles. Donc, celle du milieu, évidemment, c'est le dos. Elle, on ne va pas y toucher. Ce qui nous intéresse, c'est les mailles qui ont été mis en attente à la toute fin. Donc vous les remettez sur votre aiguille et vous allez simplement joindre votre bout de fil ici pour recommencer et on va être sur l'endroit de notre travail. Madeleine, merci pour les explications, mais avec grand plaisir, merci surtout à la personne qui a posé une question très judicieuse qui m'a permis d'aller bien plus profondément dans mes explications. N'oubliez pas, un tout petit rappel. Toutes les questions ont beaucoup d'intérêt et puis des fois les personnes ne peuvent pas forcément formuler la question parce qu'elles ne comprennent pas tout à fait. Donc quand vous formulez une bonne question, ça permet vraiment de détailler, je pense à de l'anatomie, enfin bref, ça permet d'être beaucoup plus chirurgical dans les explications, donc vraiment vraiment cool. Ok, allez, hop. Je sais que les gens, des fois, culpabilisent de poser des questions alors que ça aide tout le monde. Ok, on est là. Donc, devant gauche, on retourne toutes nos mailles sur l'aiguille de gauche. On va joindre le fil et on va commencer, c'est très important, on va commencer par un rang en droit. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je suis ici, je vais remettre mes mailles. Paf, paf, paf. On remet toutes les mailles ici. Donc, on va se retrouver en voyant l'endroit du travail face à nous et on va joindre notre fil. Donc, vous embêtez pas, hein, commencez pas à faire quelque chose de rocambolesque, des nœuds et des whatever. Tout ce que vous allez faire, hein, vous avez vos mailles là, vous piquez, puis tout simplement, moi ce que je fais, vous voyez, je me laisse un petit bout de fil assez long pour bien pouvoir le rentrer. Je pince en deux. Je mets ma boucle ici. Et tagada zoin zoin, mon rang est commencé. Je ne fais pas vraiment de nœud. Au fur et à mesure que je vais tricoter, de toute façon, ça va bien se prendre. Et je rentrerai après mon fil au moment des finitions. Et ça va être parfait. Vous voyez, pas plus compliqué que ça pour remettre le fil à cette nouvelle partie. Vraiment très très simple. Donc, paf, on est parti, rang 1 à l'endroit, rang 2 à l'envers, et on va commencer les diminutions pour le coup de la même manière que l'on a fait pour l'autre devant, mais évidemment, eh bien, on va changer la direction des diminutions. Donc sur l'endroit, tricoter jusqu'aux 3 dernières mailles, donc knit to last 3 stitches, et là on fait 2 mailles ensemble, une maille en droit, il y a une maille qui a été diminuée. Et vous allez répéter ce rang de diminution, every right side row, donc chaque rang en droit, une fois de plus, puis every 4 rows one time, donc tous les 4 rangs, une fois.
Donc ça va être exactement les mêmes ratios évidemment que de l'autre côté. Donc vous pouvez utiliser, si vous avez fait des petits schémas et tout, vous pouvez les utiliser. Mais grosso modo, ça ressemble à quoi cette histoire? Ça ressemble à, je commence, je suis sur l'endroit, donc c'est mon rang 1, je tricote jusqu'aux 3 dernières mailles et là, paf, je fais 2 ensemble. Et une maille. Après ça, ben, je fais mon rang en vert. Sur les rangs en vert, il ne se passera rien. Après ça, on me dit répétez ce rang de diminution à chaque rang en droit une fois de plus. Bon, ben, une seule fois de plus, c'est simple. C'est au premier, au prochain rang en droit. C'est reparti. Je refais à 3 mailles du bord, 2 mailles ensemble. Puis après, on me dit puis chaque 4 rangs, une fois de plus. Bon, mais ça veut dire quoi? Au rang 4, hein, on n'oublie pas, sur l'envers, il ne se passe rien. Au rang 5, eh bien, il ne va rien se passer. Rang 6, ben, jamais rien. Par contre, au rang 7, vous allez avoir à nouveau une diminution. Donc, regardez, il se sera passé combien de rangs avant de faire la prochaine diminution, on compte celui-là, 1, 2, 3, 4, pouf, je diminue. D'ailleurs, regardez, rang 3 et 3 plus 4, rang 7, eh bien, c'est là que l'on diminue, d'accord? Donc ça, c'est la mise en place, hein, on diminue au rang 1, au rang 3 et au rang 7 pour les diminutions du devant. Après ça. Répétez les derniers 6 rangs entre 3 et une fois de plus. Ça, on se l'est vraiment vu au dernier cours, je vais moins aller là-dedans. Puis, tous les 4 rangs entre 4 et 13 fois. Et il va vous rester ainsi entre 28 et 59 mailles. Encore une fois, si là vous êtes perdu, je vous redirige vers le cours de la semaine dernière. C'est vraiment, il a été très axé sur la compréhension et les petits trucs pour ces diminutions-là. Donc, on travaille jusqu'à ce que notre demi-devant mesure entre 18,5 et 28 cm à partir de l'emmanchure. Donc, on va faire surtout très attention que ça soit la même chose que l'autre côté, hein, parce que sinon, ça peut être un petit peu bizarre. Vous pouvez tout à fait avoir compté aussi vos rangs pour être sûr d'arriver à la même hauteur de chaque côté. Ça peut aussi être une bonne chose. J'avoue que je ne suis pas aussi dramatiquement pointilleuse. Je sors mon mètre à mesurer pour un demi centimètre ou un centimètre dans les coutures, dans le blocage. Tout s'en va, on s'en fiche. Et là, on va commencer exactement ce que je viens d'expliquer aujourd'hui, c'est-à-dire le façonnage de l'épaule. Et celui-ci va être fait sur l'envers et non pas sur l'endroit, puisqu'on travaille en miroir. Donc, nos shadow wraps, vous voyez, ils sont faits sur l'envers. Donc, sur l'envers, eh bien, je vais tricoter jusqu'aux 5 à 11 dernières mailles et je fais mon wrap and turn. Et comme j'ai tourné, je fais ensuite un rang à l'endroit. Donc, c'est la même chose, exactement la même chose que sur le demi-devant droit, sauf que nos wrap and turn, ils vont être faits sur les rangs en vert. C'est tout. Puis, quand on a terminé, hein, le dernier rang, eh bien, ça va être sur le rang en vert que l'on va résoudre nos shadow wrap en les tricotant ensemble à l'envers. Et puis, quand on a fini ce rang de ramassage, on va casser le fil et mettre les mailles en attente sur un bout de fil auxiliaire ou un arrêt de maille. Alors, Anne, c'est bien avant Begin Shoulder Shaping que j'augmente le nombre de rangs si nécessaire pour mon homme. Oui, tout à fait, Anne. Alors, des questions, les amis. Est-ce qu'il y a des petits points que vous voulez que j'éclaircisse par rapport à ça? Et Anne, je suis en train de penser, regarde bien ce que tu pourrais faire aussi. Non, ça va être bon. Normalement, tu ne devrais pas avoir trop de rangs à rajouter. Mais par contre, si tu avais tout ça à rajouter, j'aurais tendance à te dire de faire tes diminutions avec un ratio de rangs
plus grand. C'est-à-dire qu'au lieu de les faire tous les 4 ans, par exemple, tu les ferais tous les 6. Mais normalement, tu ne devrais pas avoir à rajouter tant que ça non plus. Pourquoi tu ne conseilles pas de faire les deux côtés ensemble? Ah, mais vous pouvez tout à fait faire les deux côtés ensemble. Moi, je ne le fais pas parce que des fois, excusez-moi, on va refaire ça, il fait chaud, on va se donner un peu d'air sous la nuque. Je t'avoue que j'ai tendance à ne pas faire les deux côtés ensemble parce que des fois, ça me mêle. Comme tu sais, je suis très, très distraite. J'ai tendance à me mêler de où je suis. Donc, c'est, je fais un côté, ça va être différent de l'autre. Et puis, j'ai tendance un petit peu à perdre mes billes. Donc, avec mon petit esprit distrait, le fait de focaliser sur d'abord une partie et l'autre m'évite les erreurs. C'est vraiment pour ça, mais ça peut être une bonne idée si vous êtes un petit peu plus cartésienne que moi. Vous pouvez tout à fait avoir vos deux grilles de diminution de chaque côté pour les shadow wraps et vous rendre d'un côté à l'autre, vraiment. Mais moi, je suis plus artiste que mathématicienne, définitivement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi? Ou est-ce qu'on va se dire adieu pour un mois? On regardait hier avec mes enfants quels sont les animaux les plus dangereux à Bali. Il y a des serpents, il y a des cobras crasheurs, il y a des cobras, il y a des vipères vertes, etc. Il y a quoi d'autre? Des araignées qui sont des grosses araignées, il y a des scorpions, enfin bref. Donc voilà, mais apparemment le gros risque, si vraiment vous voulez faire attention, le gros risque, c'est de se prendre une noix de coco sur la tête. Alors on rigolait, ben voilà, embrassez votre mère parce que voilà, je vais me faire mordre par un serpent, je vais avoir chaud, alors je vais aller dans l'eau et là il y a un serpent de mer, parce qu'il y a des serpents de mer qui sont plus venimeux que les serpents qui sont sur la terre, mais à la différence qu'ils mordent très peu, là je me fais mordre, je sors de l'eau, là j'ai une méduse qui m'attrape parce qu'il y a aussi des méduses qui piquent. Je tombe sur un tomcat qui est une espèce apparemment de tonquet, ils appellent ça, de petit insecte qui a un venin terrible. Je marche dessus, je me brûle le pied, j'arrive à l'hôpital et là, pouf, je me prends une noix de coco sur la tête. Voilà, ils étaient morts de rien. Enfin indigne. Ils n'auront pas leur Bouddha et leur petit bracelet à mon retour. Bon. Mais oui, on était très intrigués parce que je vais aller un peu nager, je fais un peu de snorkeling, pas de plongée, mais juste, vous savez, avec le tuba là. Et donc je me disais, est-ce qu'il y a des requins dangereux? Et non, il n'y a pas de requins dangereux, mais apparemment, il n'y a que 5 morts d'hommes par année à cause des requins, mais 150 morts par noix de coco. Donc, je ferai attention aux noix de coco. Oui, il va y avoir 2 cours pendant mon absence qui sera donné par Maryse. Merci Chantal. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant. On va beaucoup vous faire voyager avec Chloé. C'est Chloé qui va faire beaucoup de choses. Moi, j'écrirai, j'espère, beaucoup dans le blog. Je vais pouvoir revenir un peu à un de mes grands amours qui est l'écriture et j'espère pouvoir vous partager un voyage peut-être un peu plus intérieur. Alors, c'est écrit glisse, glisse, tricote pour le précédent neck shaping et knit to do gazelle pour le prochain neck shaping. Exactement, Louise, c'est ce que je disais, d'accord. On est en miroir. Donc, quand je parlais du devant gauche, en effet, c'est un knit to together et ce n'est pas un glisse, glisse, tricote. Tout à fait, Louise. Mais tu as raison hein, de pointer, c'est vraiment complètement en miroir. J'espère que je n'ai pas dit glisse, glisse, tricote, j'ai bien dit deux ensemble. Je pense que j'ai dit deux ensemble, j'espère. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va se laisser là, on va se laisser pour un mois. Je reviens le 1er septembre, donc c'est un mardi. Mais dès cette première semaine de septembre, eh ben, je serai avec vous le dimanche. On va aussi pouvoir commencer le tricoter son temps des fêtes avec les mitaines amantines.
Il y en a beaucoup qui m'ont demandé le kit pour les pantoufles. Normalement, devrait sortir lundi. Voilà. Oh oui, je vais me reposer, André. Et les ados vont survivre un mois sans maman. Ben oui, ils vont être avec leur papa. Ils vont très très bien survivre. Ma fille part en France voir la famille. Oh là là, je te promets que, ils vont survivre. Oh, mais ça va vraiment nous faire plaisir, plaisir de vous faire partager tout ça. Allez, et puis je vais revenir toute ensoleillée, toute zen. Ça va faire du bien, ça va faire du bien. Allez. Merci à vous. Mais vous allez voir, je vais même écrire dans le groupe, hein, maintenant, Internet est partout, donc je vais vous faire des petits coucous dans le groupe. Je vais essayer de vous mettre des photos. Je vais essayer de vous partager un maximum. Je trouve une expérience qui est extrêmement privilégiée. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on partage, on partage, on partage. Et c'est tout, voilà. Oh, Angèle, fin septembre, début octobre, tu seras à Québec. Angèle, j'espère vraiment que je te vois, d'accord? J'ai adoré tes petits biscuits, c'était tellement gentil. Et ta tasse. Allez, vraiment, j'ai du mal à vous quitter. J'en reviens pas que je vous laisse un mois. Ça fait presque 2 ans que je vous ai pas quitté. Ça me fait vraiment bizarre de vous dire qu'on se revoit dans un mois. Mais c'est pas grave. Oh, une place dans ta valise, Karine. Voilà, je vous écrirai, on se papotera un petit peu. J'espère vraiment pouvoir partager un maximum, ben, voilà, toute cette expérience-là. Et je vous embrasse très très fort. On se voit dans un mois, mais on se parle bien avant. Bye bye!